La noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Et la plupart du temps, vous aurez deux profs différents, c'est-à-dire qu'il y aura un prof pour la philosophie spécialisé pour ça et un prof pour la littérature. Donc c'est deux matières différentes à proprement parler, mais c'est fortement... Ça donne deux points de vue à peu près différents, donc on peut aborder le même sujet sur deux points de vue différents. Comme par exemple ce livre-là, donc c'est les grandes plaidoiries des ténors du barreau, où c'est un recueil un petit peu de plusieurs grands procès connus ou un petit peu moins connus, mais qui doivent être recensés dans l'histoire. Donc il y a plusieurs grands avocats qui peuvent être connus, comme par exemple l'actuel ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui a aussi une de ses plaidoiries qui est recensée dans ce livre. On a une liste d'instantanés. On choisit chacun un livre et on fait un petit exposé à la classe. Ça nous permet de découvrir des auteurs. Et justement, après, on a les lectures cursives qui sont imposées par le professeur. Pour cette séquence-là, Lola Lafont, Merci Marie-Paty. C'est une lecture cursive qui aborde un thème beaucoup plus actuel, comme finalement les instantanés. Et c'est pas du classique constamment. Parce que moi, comme je te disais, je me mettais vers la psychologie et on étudie beaucoup d'extraits de personnes qui ont écrit et on étudie beaucoup d'humains, en fait, en général, via l'écriture. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour aller ensuite en psychologie. Alors pour moi, l'intérêt de cette spécialité, c'est que je sais depuis la seconde que je veux faire du droit. Et le choix de cette spécialité m'a permis de savoir dans quelle partie je vais faire mon métier. J'aimerais beaucoup plus poursuivre l'oral. Ce qui est bien, c'est que ça peut nous permettre d'apprendre à savoir parler en public. Donc par exemple, pour le grand oral, ça peut nous aider. Mais aussi, cette spécialité, elle m'a permis de savoir être neutre et de ne pas avoir qu'un seul point de vue, en plus de la culture générale qu'elle apporte. Ou même pour les gens qui veulent enrichir leur culture générale dans le domaine littéraire et philosophique.